Coucou la famille, bonjour, bonsoir. Fatoumia le Jaloun, la maman des pauvres. Vous allez bien, j'espère. Moi, de mon côté, ça va bien. Je fais cette petite vidéo pour encore parler de Yamasega. Vous savez, nous les Guinéens, je ne généralise pas, mais 90% des Guinéens, naturellement, on est jaloux. On n'aime pas voir le succès des autres, beaucoup d'entre nous. Je suis Guinéenne. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que depuis hier, j'ai vu comment on a descendu Yamasega, comment elle a été insultée, attaquée, humiliée par ses frères et sœurs guinéennes. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle assume son soutien au CNRD. Elle assume qu'elle est dans l'esprit du CNRD. C'est pourquoi hier, elle a été insultée, mère et père, humiliée, descendue. Ce que elle a subi tellement, vous pensez que si c'était Gani Alpha qui a subi l'action, là, ça allait être la même chose. On allait descendre Madame Traoré. C'est le monde qui allait parler de ça. Mais bien sûr. Oui, si c'était Gani Alpha. Je dis le nom de Gani parce que lui, c'est mon ami. Je ne vais pas parler, je ne vais pas citer les noms des autres. Pourtant, il y a beaucoup d'artistes, chanteuses aujourd'hui qui, avec beaucoup de cadres, beaucoup de responsables du CNRD qui sont en relation avec eux. Il y a d'autres même, il y a d'autres chanteuses même qui sortent avec certaines responsables de CNRD. Elles sont là, elles mangent tranquillement leur argent, mais jamais elles vont venir s'assumer sur les réseaux, chanter même pour le CNRD ou je ne sais pas quoi. Mais Yama, elle a chanté pour la fille de Doumbouya. Après aussi, elle a chanté pour Doumbouya. Et elle a dit le nom de beaucoup de responsables du CNRD. Et ce qui est dommage dans l'histoire du CNRD, vous ne connaissez pas les personnes qui vous aiment. C'est pourquoi je tire le chapeau, je dis, pour l'IFDG. Wallahi billahi tallahi. Quand les gens là, vous êtes ensemble, tout ce que tu fais là, ils seront avec toi. C'est ça aussi. C'est dommage quand tu soutiens quelqu'un et à ton tour qu'il te soutient. Parce que ça là, le manque de respect que Yama a eu, c'est de la faute de vous, le CNRD. Yama, au-delà qu'elle soit artiste, chanteuse, star, elle est aussi une Guinéenne, elle est chez elle. Tu voyages, tu pars dans tout, partout dans les aéroports du monde. Tu es respecté. Tu arrives chez toi. Tu es humilié. Même si tu n'es pas une star, même si tu ne chantes pas, quand tu rentres chez toi, tu dois te sentir chez toi. Le minimum de respect. Parce que la Guinée, Wombirimba, Banangwanyara, personne n'est supérieur à l'autre en Guinée là-bas. Wombiri, la Guinée, Womba, Banangwanyana, la Guinée. Iname bien comme elle, c'est ça, c'est la Guinée. Mais c'est dommage. Yama, elle s'est assumée. Elle a chanté pour Diaba, Doumbouya. Elle a chanté pour Doumbouya. Elle a chanté pour certains responsables du CNRD. C'est pourquoi hier, on l'a lapidée comme pas possible. La haine. J'ai vu. Moi, je suis du RPG. Je suis très fière d'être du RPG. Jusqu'à. Voilà. Preuve contraire, je suis du RPG. Malgré les gens ont dit que moi, j'ai reçu un message. C'est pourquoi je lis.
J'ai reçu un message de mon bébé Damaro. C'est Damaro qui m'a envoyé un message. Damaro, je suis en live. Tu m'as envoyé un message. J'ai souri ici, là. Damaro, laisse-moi. Libère-moi, pardon. Donc, éteins la télé, je finis, s'il te plaît. Vous savez, hier, Yam a été insulté par beaucoup d'RPGistes. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle assume son soutien envers le CNRD. Yam a été insulté, humilié, descendu hier par beaucoup d'IFDGistes. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle assume qu'elle est de l'esprit. Elle est dans l'esprit CNRD. Et c'est dommage que les personnes que tu soutiens là, c'est eux-mêmes qui t'humilient en fait, qui te créent des problèmes, qui s'en foutent de toi. Sinon les autres là, elles ne sont pas mieux que toi. On voit des artistes ici, elles voyagent, elles passent par business class, classe VIP là-bas, salon VIP. Mm-hmm. Mais ça là, ça ne cause pas problème, hein. Ça ne va pas causer problème. Tout ton problème, c'est le fait d'assumer que tu es dans l'esprit du CNRD, Yama. C'est pourquoi hier, nous, certains RPGistes, t'ont descendu, t'ont attaqué, t'ont insulté, t'ont humilié. C'est pourquoi hier, certains IFDGistes t'ont insulté, t'ont humilié. C'est pas parce que tu ne chantes pas bien ou parce que tu n'es pas canaille, hein? Même si tu es canaille, tu n'es pas la seule canaille. Mais tu es la seule qui a osé, en tout cas cette nouvelle génération-là, vous, là, qui a osé assumer. Pourtant, on connaît, moi personnellement, je ne parle pas des autres, mais moi personnellement, je connais beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes guinéennes, hein? Je dis artistes guinéennes, qui sont en couple avec certains responsables du CNRD. Mais jamais tu vas les entendre parler du CNRD ou quoi que ce soit. Elles mangent tranquillement leur argent. Oui, elles viennent dans leur lieu de rendez-vous là-bas. Hein? Ils se gèrent bien là-bas. Là. Et puis on prend les enveloppes, les chèques, les dollars, on leur donne. Voilà. Et quand elles voyagent là, c'est business class. Voilà. Et tout est pris en charge. Mais tu vas jamais voir les gens là mentionner même le petit peu du CNRD, parce qu'elles savent que ça les retombées. En parlant du CNRD, en soutenant le CNRD, là, quand tu as un problème demain, le peuple va te descendre. C'est ce que tu as eu, Yama. C'est ce que tu as eu, Yama. Voilà. Et ce qui est dommage, il paraît que Yama a été convoqué à l'Oprogem. Que parce que elle a pris un bonbon, elle a sucé le bonbon. Ah, mais vous là, vous aimez se foutre des gens. Au Oprogem, de vous à moi, 2 octobre 1958, l'indépendance de la Guinée, vous avez osé inviter Coach Amon Chik, qui ne fait que parler de sexe matin, midi, soir. Elle est allée en Guinée lors de notre fête d'indépendance. Indépendance de la Guinée, 2 octobre 1958. Et maintenant, c'est vous qui osez convoquer Yamasega à l'Oprogem parce que tout simplement, dans son story, elle a pris bonbon, elle a sucé. Il est où le problème? Vous étiez où quand ils ont invité la championne des championnes, la coach Amon Chik, qui ne passe tout son temps parler que de sexe, de tout, comme vous savez. C'est vous qui va convoquer Yama parce qu'elle a sucé le bonbon. Yama, c'est une star. En Guinée, là, on fait quoi?
S'il n'y a pas buzz là, ça ne marche pas. Les gens s'en foutent. Si ça ne crie pas sur toi, s'il n'y a pas, tu ne fais pas quelque chose qui va pousser les gens. Tu sais, tu veux, tu vas chanter plus que Michael Jackson. Tu vas chanter plus que Jay-Z. Tu vas chanter plus que Beyoncé. Ce n'est pas ce qui intéresse le Guinéen. C'est tes manières. Tu vas faire quelque chose qui vont pousser les gens de parler de toi. Donc, s'il y a ma sortie, c'est clip et tout. Et elle est, dans sa musique, elle a dit qu'elle ne veut pas petit bonbon. Et c'est vrai, toutes les femmes n'aiment pas petit bonbon. Si tu as petit bonbon là. Hein? C'est parce que Dieu t'a donné ça. Sinon, en vrai, vrai dit, quand on te dit de choisir petit bonbon et grand bonbon là, c'est le grand on va prendre. Mm-hmm. Donc après, elle a sucé le bonbon. C'est pas le truc en caoutchouc qu'elle a pris. Et puis après, vous dites que vous allez, vous, elle est chanteuse. Mais respectez les gens en Guinée. C'est pourquoi moi, je dis, Mamadi, tu vas dégager. Ira qui si mané, meni, Mamadi Doumbouya. Inyanga, Mamadi, tongo mané, moutanga, bohi, mameni, Mamadi. Ina nyenge, di nyanga, Mamadi. I dégager, mané, Mamadi Doumbouya. Parce que fe na ranni kenena na bama et puis mirinya munera miru kobina nera dugulana nera fisirwalina nera imira fam miri kolon sino mirinira fam mirinira fay fangana kanira fam mirina fle itanara. Mais je vous ai dit, vous hey, prenez l'exemple sur Charles White. Il y a pas quelqu'un qui s'est sacrifié pour Mamadi que Charles White. Mais quand le peuple l'a descendu là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a jeté, il a utilisé Charles White. Après, il a jeté Charles White dans la poubelle. C'est pas ce qu'il a fait? Donc, vous autres là, vous continuez de soutenir ce bandit délinquant de Nyang Gedi, Nyang Gamadi, d'Ouli Forêt. C'est ça, je dis. Hein? So, Fale, Mamadi Doumbouya, impoli, croutaré. Moi, je peux pas te respecter. D'abord, tu n'es pas plus âgé que moi, voilà. C'est pas, tu ne peux pas être mon père, tu ne pouvais être qu'un grand frère. Mais là où tu n'as pas respecté tes aînés, là, nous autres, là, on va venir, je ne parle pas de tout le monde, Mamadi Doumbouya, j'en ai rien à foutre là-bas. Toi qui dis, reviens en Guinée, je suis là avec mes enfants, je suis américain, qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas, c'est pas le moment. Le jour où le bandit Mamadi délinquant saleté va dégager là, le lendemain, on va tous rentrer en Guinée. N'oubliez pas, les Mandians Sylvé ont été 11 ans en exil. Hein. Après, ils sont rentrés directeur général. Donc nous autres là aussi, c'est comme ça, c'est ce qui va se passer. Quand Mamadi va dégager là, on va rentrer avec des postes de responsabilité. Tu as compris? Voilà. Donc, Mamadi, fils sur Walinana, Mamadi Doumbouya, il t'a drogué, Krignari, tu te laves même pas. Mamadi Dougoulanana, Mamadira. Tu es, c'est que tu es un farfelu, Mamadi. Tu es un délinquant, tu es un assassin, tu es un bandit. Mamadi, je dis, tu es un simple blacro. Je suis revenu, Mamadi, ni bon mané, Gibiasi, ni bon mané, mais Konkwe. Nyang gamadi, nyang gadi mara bolé runa canaré, sauvage que tu es, itan drogué, itan nyang gadi, itan sofale douli fore, hein? Golo fore, nyang gadi, mamadi douli, itan afalari, imbécile que tu es, runa canaré. Tu n'as même pas honte. Tu penses que la Guinée là, ingara d'autres la Guinée là. Tu penses que la Guinée là, hadja manjula. Hein? Allah dote la Guinée dit. Et puis là, là, tu as le droit de prendre, faire comme ce que tu veux. Et moi, il y a canari, impoli, saleté, hein? Karambali, tu n'es rien. Un simple commandeur d'argent. Leur burin, tu étais dans les bureaux de tout le monde. Farfelu que tu es, kuna canari, sofale. Je suis revenue, Mamadi. Ni bon mané. Ame konkwe. Quel respect tu mérites des imbéciles qui disent hey, me rouyona kai soutenir. Yama, c'est bien fait pour toi.
Hey, Yushi. Yama, c'est bien fait pour toi. Prochainement, la prochaine fois, il rentre l'innocent Thomas, c'est un erdier. Il Sinon, il y a combien de stars? Hein? La Guinée, c'est Gissé, Yeri. Elles sont nombreuses là-bas. Ce n'est pas toutes les femmes. Mais il y a Colomb. Il y a les preuves. Vous couchez avec beaucoup d'entre elles là-bas. Mais elles-là, elles n'osent jamais dire votre nom. Hali Bereku et Mourli Falama. Parce que Colomb est Mourli Falama. Tina, quand elles vont avoir problème, comme ce que Yama a eu là, donc c'est pourquoi, hein? Mais comme Yama, elle, là, tu sais, quand on est peu mélangé, malinqué et puis soussou, là, parce que c'est ça, Yama, foulena, rafa, bari, sauce, malinqué, non, sauce, et ta guimène. Donc, Yana, on croit comment dangue, elle s'assume dans tout ce qu'elle fait là, à Mouga, comment elle va le faire. Et c'est vous qui parlez de, au projet. 2 octobre 1958, notre fête d'indépendance. Vous n'avez pas eu quelqu'un que vous pouvez inviter à cette fête-là. Si ce n'est pas Coach Amon Chic. Elle est venue. Celle qui s'assoit matin, midi, soir, qui ne parle que de sexe sur les réseaux. Et c'est elle que vous avez fait venir en République de Guinée. Et c'est vous parler de Yama, parce qu'elle a su ses bonbons qu'elle doit répondre à l'oplogème. C'est bien fait même. Elle doit même aller en prison. Prochainement là, Irak-Linan Sotoma. Prochainement là, les Woody et les autres là. Et Fangarili Sotoma. Les autres stars là. Irak-Linan Sotoma. Et Naran Nabafé, Mamadi, Beyandanan Bamara. Mamadi, plus personne ne te soutient. Et ton fils Sir Wali, tu es qui? Moi personnellement, je vous jure, hein, quand je vois les artistes soutenir le pouvoir, wallah billahi ta'ala, je ne vais pas être fâchée pour ça. Je ne vais pas m'opposer à ça. Je ne vais pas attaquer une artiste ou un artiste qui soutient le pouvoir en place. Non, c'est leur devoir. Ils ont le droit. Et s'ils veulent, ils peuvent soutenir qui ils veulent. D'ailleurs, c'est une obligation en quelque sorte. Parce qu'ils relèvent d'un ministre de la culture. Et le ministre de la culture l'a été nommé par qui? Par ce pouvoir, par le président en place. Donc si toi, le chanteur ou la chanteuse, n'est pas dans l'esprit du président qui est sur place, ton ministre ne va pas être dans ton esprit. À chaque fois, il y a des projets, il peut bloquer, il se dit, ah lui, il n'aime pas. Lui, il n'aime pas le présent, il n'est pas dans l'esprit. Donc, moi, je n'ai rien contre les artistes qui soutiennent un pouvoir. C'est normal, sincèrement, quand je vois certaines personnes le dire. La dernière fois, c'est ce que même j'ai dit à Damaro. Je dis, Damaro, comprenons les artistes. C'est normal, ils vivent de ça. Les gens là n'ont rien. C'est le nom seulement, je sais, le milieu artistique là. Je sais de Black Mafia, je connais comment ça fonctionne. Sur le nom seulement, il n'y a rien, ils n'ont rien. Ils vivent que de ce que leur Ngatigui leur donne. Ils n'ont rien. Combien d'entre eux ont une maison? Elles sont tous, ils sont tous en location là-bas. C'est rare. Sur les 100% des artistes guinéens, là, peut-être c'est 1% ou 2% qui habitent dans leur maison. Ils sont en location. Du moment où tu n'as même pas une maison où dormir là, c'est que tu n'as rien. Parce que si tu as l'argent, la première des choses que tu vas faire, là, c'est de construire ta propre maison. Il n'y a pas plus beau que quand il y a fin de mois et personne ne t'appelle pour te rappeler que ah, le mois est arrivé, hein, ou bien c'est passé de 2-3 jours. Hein. Ah, tu ne m'as pas payé hein, l'argent, je n'ai pas vu l'argent du mois. Tu vas compter. Donc moi, je ne les en veux pas. Mamadi, moi, artiste, valeur écolo. C'est l'ancien compte qui connaissait la valeur des artistes. Et notre Alpha Condé aussi. Oui, il y a beaucoup de gens ici. Là. Alpha a tout donné aux artistes. Là. Quelle fois la Kanté, c'est grâce à Dadis, sa famille aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'est pas en vie, mais sa famille n'est plus en location. Il a donné une maison. Conte la même chose.
Mais allez, ta mère, ma toro. Toi, regarde, Yama chante ton nom. Aujourd'hui, les gens détestent Yama à cause parce qu'elle a... Elle s'est assumée. Pourtant, vous savez, vous, CNRD, il y a beaucoup d'artistes qui viennent vers vous là-bas. Là. Il y a beaucoup d'artistes qui sont avec vous. Mais même en blague, même petit poste là, parlant de vous. Mais Yama, elle, elle a eu l'audace de venir chanter. Fait que Nangora, hein, là où il a parlé le nom de Doumbouya. Doumbouya Moura. Et après, elle a chanté pour Diaba. Et c'est elle qu'on humilie à l'aéroport. Parce que quoi? Et puis après, les gens seront là, descend comme une quoi? RPG et IFDG. Certains RPGistes et certains IFDGistes parce qu'ils sont, ils sont fâchés, parce qu'elle est dans l'esprit du CNRD. Et puis le CNRD, au lieu d'apporter son soutien, c'est pas ça, c'est de la descendre encore de plus. Mais Assoma, il y a ma Assoma, c'est bien fait pour toi. Prochainement là. Même si tu aimes un président ou tu aimes, tu es dans l'esprit là, tu vas faire comme tes autres amis là, qui viennent dans leur hôtel, couche avec eux. Et quoi, bir tongo et mini. Et ni voyager, mais c'est gay. Sauf, ça leur vient. Et puis pour t'aimer, il faut la mago. Les gens ne savent même pas qu'ils se connaissent avec les gens du CNRD. Pour t'étonner, dégué, mais t'étonner, rime, quoi, là. Et nous prêts voyager des FA VIP et ils étaient scrapés. Mais na tambrui yo muna parce que et ma ramine rekene ma que et mon erli falare la guinée ka mi yo moi mamadi dumbu ya ko ma won fana den na kay personne ne veut de mamadi donc mamadi khata to na ra yama et to mamadi ra fang na khata nan birahi fokora et wala Charles White to y a pas quelqu'un qui s'est sacrifié ici pour Mamadi que Charles White. Charles White, quand il a condamné mon petit frère, c'était le juge du peuple. C'est tout le monde qui l'aimait. Avant que Charles White ne soit nommé par Mamadi, là, c'était le juge du peuple. Charles White était aimé par 98% de la population guinéenne. Maintenant, Mamadi l'a approché. Mamadi a vu l'amour que les autres avaient pour lui, il a approché pour qu'il... Charles White l'aide à faire son sale boulot. Charles est venu. Charles, c'est quelqu'un peut-être de loyal, je ne le connais pas. Mais, vu peut-être qu'il est loyal, il a voulu prouver son amour tout à Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce que Mamadi a fait? Mamadi l'a utilisé et Mamadi l'a jeté. Charles White est aujourd'hui... C'est qu'aujourd'hui, la honte que Charles White a... Ce n'est pas parce que sa nudité est sortie. Hein. C'est à la nudité de tout temps chacun peut sortir. Mais le fait qu'il a été utilisé et puis jeté comme une vieille valise, il est où aujourd'hui? C'est dommage même. N'a rien, Mamadi, n'yanga madi nanna mamadira. Mamadi douli fore nanna mamadi doumbouya. N'yanga di douli fore. C'est un imbécile, Mamadi. Inu mamadira fan. Ali me khatanan, c'est que khatanan sortira. Il ne mérite pas. Hé, hey, peuple de Guinée, levons-nous. Je ne sais même pas comment. Gidouli fore, nyangamadi mara, bole runa kanara, douli tongo wangwanyi. Il faut rentrer l'imbécile là. Imouyalang menge, nyangedi nyangamadi douli biri. I menge astorminde. Tu es malade, mamadi. Imouyalangri. Tu prends l'argent, il a sorti douli qui mène. Toi et les personnes, où t'as onéré ou à ma cobre d'onfé, hein? Où cobre ton gouas, il a sorti douli fort qui mène. Il presse ballon, tu as fermé tout. Il bambang de mène, puis tu veux prendre tes testicules longs aussi là, avec tes pieds de Malcolm X là. Il rit douli man bambang que tu vas te présenter à maman. Nous on attend de voir ça. Il a fallu inyen gadi ton gouas, mais tu vas être candidat. Maman dit non, ça n'y n'a guère mais douli qui. Imbécile que tu es. Imouyalangri, toi tu vas être président où? Hein? Tu es venu tuer 150 personnes. Imere Radi Fara, des innocents qui ne sont pour rien et n'est pas service. Toi tu dis que c'est parce qu'il y a eu un coup d'état, il y a eu un troisième mandat. Maintenant toi tu prends tes testicules longs. Inyangadinyangamadi tongomeniman. Toi tu vas venir nous dire ici que tu vas te présenter. On attend ça. Mamadi n'a rien bené. Wallahi billahi tawallahi. Mamadi. Ni bo. Eh, Mamadi. Je vais te rentrer. Je vais te descendre. Mamadi, miri n'y ba manema. Mamadi.
Moi, j'en ai rien à foutre à tes ministres. Irana ministre, Nassende, jamais je ne veux pas toucher à quelqu'un. Moi, je ne suis pas jamais. C'est tes testicules longs là. Hein? Tes testicules noirs longs que tu ne laves pas là. Là où il y a les poils noirs sales là. Nanambolo. Imbécile que tu es. Mara Bolerouna Canari. Nyangamadi Nyangé. Difficile Wali. Assassin, traître, criminel, bandit que tu es. Dégage, ouais. Personne ne veut de toi. Il bambang mène, tout le monde souffre. Hein? Un manipulateur. Tu penses qu'on ne connaît pas le jeu? Tu as condamné Moussa Dadis Camara. Pourquoi? Après, quand tu vas te présenter ici, tu vas aller en forêt l'air. Mentir là-bas, dire que quand je serai candidat et si vous me soutenez, je vais libérer Dadis. Idouli! Les gens vont libérer le futur président qui va venir là. Le peuple de Guinée là. Nous, on va pardonner Nadis. Moi, en personne, je le pardonne. Et nous, on va continuer à demander pardon au peuple de Guinée, aux parents des victimes. On va leur demander pardon. C'est pas le fait que Dadis reste en prison qui va changer quelque chose dans leur vie. C'est le pardon qui est important. On va demander pardon. On va faire des délégations. Oui, bien sûr. On va aller. Moi, en personne, je vais m'inscrire moi-même. Je vais m'autoproclamer dans ça là après. On va aller voir les coordinations en forêt là-bas. On va aller en Basse-Côte, en Haute-Guinée. Hein? On va venir demander, parce que c'est les quatre régions naturelles qui ont perdu leurs enfants. On va aller demander pardon partout. Et on prie Dieu, on va prier pour le repos de leur âme. Tu penses que tu es bandit? Nyang Gamadi, Kuna Kanari. Mara Boulé. Imbécile. Pessi, il est là-bas. Et il est où le problème? Moi, je me suis dit, je savais pourquoi je ne parlais pas. Mais tu sais, quand c'est trop là, c'est mauvais. Voilà. Il a dit, il ne va pas se présenter. Il va rester jusqu'au 31 décembre 2024. Et là, on ne nous parle même pas d'élection. Et là, il veut continuer. Et si on laisse passer ça, Mamadi va installer ses testicules lol là-bas jusqu'à la fin de ses jours. Parce que Mamadi, c'est le jour où il va prendre ses fesses noires sur notre fauteuil là-bas. Et sa place ne sera même pas la maison centrale. On va l'envoyer à Fotoba, là où il est allé maltraiter les autres. On va aller le mettre là-bas. On va mettre le piment dans son anus. Mamadi, c'est ça. Donc, c'est pourquoi il n'est pas prêt à partir. Et c'est à nous, le peuple, de se lever. Il ne faut plus qu'on accepte ça. Les gens n'ont rien. Les gens souffrent en Guinée. Les gens souffrent. Les gens ne mangent pas. Il n'y a rien. Il n'y a plus de courant. Rien du tout. Après, tu vois des démagogues qui te disent qu'ils travaillent. D'où les forêts, il fait quel boulot? Depuis là, il n'y a plus de courant. Moi, quand je parle aux gens ici, on me demande Power Bank. Pardon, envoie-moi Power Bank. Hein? Des choses qui avaient disparu en Guinée. Il y avait le courant. Un imbécile farfelu. Toi, tu viens, tu dis tu es venu pour arranger. Et tu fais pire que la personne qui était là. Nyomoden, Kafri, Molo Bali, Kolo Bali, Mamadi Doumbouya. Nyomoden, Dankaden, Woulou. Tu es un chien, Mamadi. Imbécile que tu es. C'est moi. Je dis, je suis revenu. Je vais te rentrer, te déchirer, Mamadi Doumbouya. Non, ça n'y grimaille douli fort. Écoute, t'en as fait la réfatouille, lui. Moi, je n'ai peur de rien. Hein. Et de personne. Je n'ai peur que d'Allah. Il n'y a pas un être humain qui peut, moi, me faire peur. Je laisse les choses par amour et par respect. Je t'ai laissé par l'amour et le respect de certaines personnes. Mais c'est fini, ça. Voilà. Ni bon manébé, ni douli, bon manébé. Non, ça n'y grimaille douli fort. Écoute, imbécile, assassin. Nyangamadi, nyangadi. Iwa mai duli bam bam fe mo akibani mameni imu yalangi mindem président. Tu es un assassin. Nien gadi duli fort et simple nanera. Mirifare. Toi tu peux apporter quoi? Même tes français là et puis tu vois des démagogues aujourd'hui qui est là en train de te soutenir. C'est dommage. Maman dit une femme ni duli bo. C'est moi qui trave la fatigue. La maman des pauvres. C'est moi.
femme ne ni bro. C'est moi. La maman des pauvres, je suis de retour, Mamadi. Ni bon, mané, mais kinsi. Nan sanye grama et douli kui. Il est mort tatignani. Kolobali, molobali. Hein? Imbécile de merde que tu es. Fuck you, ouais. Je suis là. Ni bon, matin, midi, soir. Tu vas dégager, Mamadi. Après, tu dis, c'est un prêt. Tu es président pour aller où? Qui a voté pour toi? Tu as pris les armes. Tu es allé tuer des innocents. Tu es venu t'installer. Toi-même, tu as fixé une date. Le peuple est resté là. Comme Dieu, il est juste. Qu'est-ce qu'il a fait? On est là, Seigneur, et Sœur, on prie Dieu qu'il nous montre aussi le 31 décembre 2024. Tu vas voir. Aujourd'hui, les uns qui s'opposent, tu as fermé les presses, il n'y a plus de journalistes. Ah! Les journalistes que tu peux acheter, tu les as achetés et ils sont dans ton anis là-bas. Tout ce que tu fais, c'est bon. Maintenant, aujourd'hui, Fonike Menge, qu'on m'a dit, je te dis, wallahi billahi tallahi, sur la tombe de mon père, m'a dit, si ça s'avère vrai que les Fonike Menge sont morts, que Fonike Menge et puis lui est mort. Maman dit ni. Eh, maman dit, tu sais, là, je t'ai rien fait d'abord. Maman dit, je veux faire ce que j'ai pas fait en 2021 et 2022. Ils vont dire encore qu'elle est devenue folle. À Baradahou. M'fait une ransama. Inyanga m'a dit, ma. Quand je vais. Ce que là, tu sais, pour le moment, je suis sur toi, non? Je n'ai pas encore atterri sur tes parents. Sur le monde encore qui va parler de moi, maman dit, wallahi billahi tallahi, si quelque chose arrive aux gens là, maman dit, fais ça, mais fari. Maman dit, ils vont encore dire qu'elle est folle. Ils vont dire que non, elle doit aller voir un médecin. Elle a eu un problème mental. Parce que maman dit, fais une ransame, mais fari. Mama di mfe na ransama ingani papa fari teu mfe na ransama ifari mfe na ransama itam mama di dumbuya ifari teu ne fam meredi na nanira. C'est des enfants d'autrui aussi, c'est des papas aussi, des gens mfa mané nan sanyi girai douli fore kui mama di nyanga madi nyanga di douli ra biere imbécile mo kuntang. Hein? Tu n'es rien avant 5 septembre. Tu étais qui? Tu n'étais rien. Un simple commandeur de bureau en bureau. Aujourd'hui, tu ne veux plus prendre tes fesses noires, tes testicules longs. Douli fore, nyangamadi runa kanari, kayakili. C'est ça, je dis. Bilakro, mamadi dumbuya, iblakro, ikayakili. Inyomo ding, ikafri ding. Ibla Kro, Ikaya Kili. Voilà, je reviens.